À la fin de 1934, avant que l'existence de la Luftwaffe ne soit officiellement reconnue, l'Allemagne disposait de moins de 600 avions de combat de première ligne. Mais à l'ouverture des hostilités de la Seconde Guerre, ce nombre avait grimpé à plus de 3500 appareils. De ceux-ci étaient des chasseurs monomoteurs et pendant les 6 années suivantes, un robuste petit avion constitua l'épine dorsale de la chasse allemande, le Messerschmitt Bf 109. Cet avion de légende combattit sans interruption de 1939 à 1945 et pendant cette période descendit deux fois plus d'appareils ennemis que n'importe quel autre chasseur de l'histoire. Il servit sur chaque théâtre d'opération et pendant les deux premières années du conflit, élimina à lui seul la majorité des forces aériennes européennes. Plus de 33 000 appareils furent produits, faisant du 109 le chasseur de la Seconde Guerre mondiale le plus représentatif et le second avion le plus construit de l'histoire de l'aviation militaire. En 10 ans, un total de 9 variantes principales et presque 80 sous-versions furent lancées. Les améliorations constantes permirent à cette machine de conserver ses formidables qualités au combat jusqu'à la toute fin des hostilités. Et en dépit de l'apparition du superbe Focke-Wulf 190, le Bf 109 est devenu le plus célèbre avion allemand jamais construit. Le général Adolphe Galland fit ses premières missions de guerre en Espagne en 1937. J'ai piloté le biplan Heinkel 51, mais déjà à cette époque, il était dépassé comme chasseur. Ceci dit, nous l'avons utilisé comme avion d'attaque pour le strafing ou le bombardement. La guerre civile espagnole a marqué la fin de l'ère du biplan, avec l'introduction d'une nouvelle génération de chasseurs, les monoplans cantilever avec train escamotable et cockpit fermé. Un pilote de chasse dans un cockpit fermé, c'était une chose impossible. Parce que vous deviez sentir l'ennemi. Et vous pouviez le sentir à cause de toute l'huile qui brûlait. Le premier de ces nouveaux chasseurs fut le Messerschmitt 109. L'impact initial de ces nouveaux appareils fut stupéfiant. De façon surprenante, le Messerschmitt 109, même dans sa toute première version, était supérieur à tous ceux qui volaient alors en Espagne. La nouvelle machine était capable d'emporter deux mitrailleuses fixes et atteignait une vitesse supérieure à 400 km/h.
Les contrats de développement avaient été lancés auprès de quatre des plus importants avionneurs allemands, Arado Heinkel Focke-Wulf et la Bayerische Flugzeugwerke BF. Chacun produisit son propre appareil et après une série d'essais d'évaluation, le BF-109 de Willy Messerschmitt fut choisi pour devenir un chasseur de première ligne allemand standard. Dans l'intervalle, deux nouveaux chasseurs britanniques avaient effectué leurs vols inauguraux en Angleterre, le Supermarine Spitfire et le Hawker Hurricane. Puisque ces deux appareils étaient armés de 8 mitrailleuses Browning, le ministère de l'air du Reich décida d'augmenter l'armement du 109. Une troisième arme, pouvant tirer par le moyeu d'hélice, vint s'ajouter aux deux mitrailleuses de nez déjà existantes. Ils connurent un succès immédiat. Et durant les deux premiers mois de combat, se montrèrent bien supérieurs à tous les autres appareils impliqués dans la guerre civile espagnole. Constituée de pilotes volontaires, la Légion Condor combattait aux côtés des forces nationalistes du général Franco. En Allemagne, les premiers 109 disponibles furent affectés au 1er et 2e groupe de l'escadre de chasse Richthofen. Comme les pilotes de BF-109 prenaient de l'expérience, ils développèrent une nouvelle tactique de chasse, plus efficace, connue sous le nom de Schwarm. Quatre chasseurs volant ensemble en formation relâchée étaient bien moins vulnérables aux attaques que les formations de chasse traditionnelles. En utilisant une formation dont les positions correspondent à celles des doigts d'une main écartée, chaque chasseur du Schwarm était protégé par celui qui se trouvait derrière lui et chaque avion avait alors un champ visuel maximum. Mais en dépit de ses mérites évidents, le 109 avait un défaut pouvant se révéler mortel. Le roulage du Messerschmitt sur des surfaces inégales pouvait être terriblement dangereux et beaucoup d'élèves pilotes se sont tués alors qu'ils allaient effectuer leur tout premier vol. En 1938, la guerre en Europe était inévitable et le réarmement allemand continuait à un bon rythme. La production du 109 se développait de façon impressionnante et vers fin juillet, 6 groupes de chasse en avaient été équipés. En octobre, la première version réellement au point fit son apparition, le 109E, équipé d'un Daimler-Benz. Connu comme le Emil, il avait une vitesse maximum de 570 km/h. Il était armé de 2 mitrailleuses et 2 canons, ou alors de 4 mitrailleuses et 1 canon. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et 200 109 furent utilisés en première ligne de l'attaque. La force aérienne polonaise fut totalement dominée en moins d'un mois. Elle avait perdu plus de 200 de ses avions de combat. Les pertes de la Luftwaffe en Pologne s'élevaient-elles à 67 ME-109, mais la plupart avaient été abattus par des tirs anti-aériens venus du sol. La première confrontation entre le nouveau chasseur allemand et la RAF survint le 3 septembre au-dessus de Brunsbüttel. Deux Wellington du groupe numéro 3 furent descendus alors qu'ils attaquaient les croiseurs Scharnhorst et Gneisenau.
Le 13 décembre, les 109 détruisirent 5 Wellington de plus lors d'un raid contre les croiseurs Leipzig et Nuremberg. 5 jours plus tard, un autre groupe de 24 Wellington des 9e, 37e et 149e Squadron décollèrent pour une mission au-dessus de Wilhelmshaven et de la route de Schillig. Ils furent interceptés par des ME-109 et des ME-110 qui détruisirent 10 des avions anglais alors que 3 autres étaient gravement endommagés. La même chose se reproduisit lorsque Hitler envahit les Pays-Bas et la France en mai 1940. La Hollande, la Belgique et le Luxembourg furent défaits en quelques jours et l'armée de l'air française ne pouvait égaler la Luftwaffe ni en termes d'organisation ni en équipement. 60 groupes de chasse avec plus de 1109 étaient déployés pour appuyer l'avance des troupes allemandes. En moins d'une semaine, la France avait perdu une grande partie de sa force de chasse. Bien que l'Angleterre eût envoyé quelques squadrons de Hurricane, ils étaient bien trop peu nombreux pour avoir une chance de retarder l'échéance. Le 23 mai, les 109 affrontèrent des Spitfire de l'RAF pour la première fois. Et pour la première fois, les pilotes allemands rencontrèrent une véritable opposition. Une fois que vous avez repéré l'ennemi, pris la meilleure position pour l'attaquer par derrière, pour qu'il ne vous repère qu'au tout dernier moment, lorsqu'il est trop tard, eh bien, vous n'avez plus qu'à tirer. Je me souviens bien de la première fois qu'un pilote de mon escadrille a descendu un Spitfire en Russie. Nous étions en train de tourner en rond et nous nous disions, où sont-ils? Nous étions inquiets car nous avions eu des échos de la bataille d'Angleterre et nous pensions que ces avions étaient pilotés par des Anglais. Le Spitfire restait un ennemi implacable, capable de contrer le ME-109 pendant toute la durée de sa carrière. Alors que les Allemands étaient en train d'écraser la France, les Spitfire et les Hurricane de la RAF couvraient le corps expéditionnaire britannique tandis qu'ils tentaient de s'échapper de Dunkerque. Le Wing Commander Douglas Bader, qui avait perdu ses deux jambes au cours d'un accident d'avion en 1931, avait réintégré la RAF lorsque la Seconde Guerre mondiale avait éclaté. Il rencontra des ME-109 au-dessus de la Manche pendant l'évacuation de Dunkerque. J'en ai descendu à un Dunkerque. Il devait être aussi débutant que moi, car il est resté en ligne droite, et donc je lui ai tiré dessus, et vous savez, il n'a pas bougé. Il y avait beaucoup d'avions à Dunkerque et pas mal de bons pilotes. Mais ils essayaient de protéger 300 000 hommes sur les plages. Ça fait un paquet de monde, et c'était une mer mortellement calme. Malgré tout, et en dépit du succès de l'évacuation de Dunkerque, à la fin du mois de juin, la RAF avait perdu plus de 500 chasseurs. La France avait capitulé, et l'Allemagne contrôlait complètement le ciel de toute l'Europe de l'Ouest. À
Alors que la Luftwaffe se rassemblait pour envahir l'Angleterre, un grand nombre d'améliorations furent apportées au ME-109E. Les mitrailleuses montées dans ses ailes furent remplacées par des canons MGFF et la puissance disponible fut grandement améliorée par l'installation du nouveau moteur Daimler-Benz 601N. Des plaques de blindage furent ajoutées à la fois au siège du pilote et à la verrière, immédiatement derrière sa tête. Dans le but d'améliorer le rayon d'action, on ajouta un point d'ancre externe sous les ailes pour installer des réservoirs largables de 300 litres. En utilisant un point d'ancre sous le fuselage, les versions chasseurs-bombardiers purent emporter 4 bombes de 50 kg ou bien une seule bombe de 250 kg. Le 109E tenait la comparaison avec son opposant, le Spitfire, mais il y avait aussi ses inconvénients. Robert Stanford Tuck, un as de l'RAF qui a obtenu sa première victoire au-dessus de Dunkerque, avait une certaine expérience du 109E. J'ai piloté à Farnborough le premier que nous avions capturé en 40. C'était un centre d'essai en vol, comme vous le savez. Et nous avons fait des essais pour comparer le premier Messerschmitt, un E, et un Spitfire Mark II. Ils étaient comparables en termes de performance, mais je pense que le 109 en piqué était un peu raide au niveau des commandes. Il y a aussi pas mal de montants et de renforts en métal autour et qui gênaient beaucoup la vision. À l'été 1940, plus de 2500 avions allemands étaient prêts à fondre sur la Grande-Bretagne. Basés en France et aux Pays-Bas, ils commencèrent l'assaut le 13 août. Dans l'espoir de gagner la supériorité aérienne, les bombardiers de la Luftwaffe prirent à partie les aérodromes, les stations radars, tout au long de la côte sud-est de l'Angleterre. Ils causèrent d'importants dommages et lors de ce seul premier jour, la RAF perdit environ 60 avions détruits au sol. Durant cette phase ouverte de la bataille, les bombardiers allemands étaient escortés par des bimoteurs Bf-110. On s'aperçut que ces appareils n'étaient absolument pas adaptés et très rapidement, les unités de chasseurs Messerschmitt 109 furent engagées pour protéger à la fois les bombardiers et leur escorte. Le Messerschmitt Bf-110 s'avéra être une erreur et Douglas Bader comme Adolphe Galland en témoignèrent plus tard. Les Allemands pensaient qu'il était bon, mais franchement, c'était du gâteau pour un chasseur monomoteur. Absolument. Et je pense que le Lightning a été également une erreur équivalente, même si ça va mettre en colère les pilotes de P-38. Mais le Bf-110 n'était pas le seul problème pour la Luftwaffe. Le 109E avait un rayon d'action limité à 400 milles. De ce fait, il ne pouvait rester en opération au-dessus de l'Angleterre qu'une quinzaine de minutes. Incapable d'opérer de façon indépendante, son efficacité contre les chasseurs britanniques était grandement diminuée. Pendant la première semaine de septembre, Göring changea sa tactique et plutôt de continuer à attaquer les aérodromes anglais, commença à concentrer ses efforts contre la ville de Londres. La RAF fut alors respirée et vers le 15 septembre, le Fighter Command fut capable d'envoyer 300 chasseurs pour intercepter le plus important raid de bombardement de la bataille. Dans la mêlée qui s'ensuivit, Spitfire Hurricane était deux fois plus nombreux que les Messerschmitt 109 et du coup 60 avions allemands furent détruits. Après deux mois et demi de combats incessants, ce fut un contre-coup démoralisant. En dépit de tous ces efforts, la Luftwaffe n'avait pas réussi à détruire le réseau de radars ni à supprimer la RAF. Dans les 48 heures qui suivirent les opérations du 15 septembre, Hitler suspendit définitivement l'invasion d'Angleterre. Lorsque cette bataille s'acheva fin octobre, l'Allemagne avait perdu plus de 1700 appareils, dont 610 Messerschmitt 109. En avril 1941, Hitler attaqua la Yougoslavie et la Grèce. Tandis que la guerre s'étendait vers l'Afrique et le Moyen-Orient, le 109 fut modifié pour l'adapter aux conditions climatiques de ces régions.
Pour minimiser les dégâts sur le moteur, un filtre à sable fut installé sur l'entrée d'air du compresseur. Le résultat de cette tropicalisation fut désigné BF-109 Prop. En juin 1941, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie. L'attaque initiale fut appuyée par 450 BF-109. Alors qu'un tiers de ces avions était de la version E, le reste de l'armada était constitué de la variante la plus récente, le 109F Friedrich. Le F comportait son lot d'améliorations dont la plupart étaient la conséquence directe de l'expérience obtenue pendant la bataille d'Angleterre. Une casserole d'hélice plus large et une réduction de la traînée du système de refroidissement du moteur avaient fini par donner à cet avion une ligne beaucoup plus aérodynamique. Les bouts d'ailes arrondies et la suppression des haubans de soutien de la gouverne de profondeur améliorèrent par rapport à eux à la fois la vitesse de pointe et le plafond opérationnel. Pendant les deux premiers jours de l'opération Barbarossa, les 109 E et F de la Luftwaffe descendirent plus de 300 avions russes. Des centaines furent également détruits au sol lors d'une série d'attaques contre les aérodromes soviétiques minutieusement planifiées. À la fin du mois, les pilotes allemands revendiquaient plus de 4000 appareils russes pour la perte de seulement 150 de leurs propres avions. Leurs armes n'étaient pas aussi bonnes que les nôtres. Les appareils n'étaient pas aussi modernes que nos 109 et nos 190. En conséquence, en 1941, les Russes ont connu de lourdes pertes au début, mais ça a vite changé. Les Russes n'ont jamais perdu leur courage dans la bataille, même s'ils s'y faisaient décimer. L'ennemi que nous rencontrions sur la Manche, les Anglais, avec leur Spitfire et le Hurricane, avaient la meilleure défense aérienne par la technologie de leurs avions, l'entraînement de leurs pilotes, autant que leur système de défense au sol. Ça nous a causé d'énormes difficultés et nous avons connu de lourdes pertes, mais les Anglais aussi. Pendant ce temps, sur le front ouest, le Spitfire suivait le rythme de développement du 109. Bien qu'il fût un peu moins maniable, le 109F dominait largement les Spitfire 1 et 2. Mais au printemps 1941, le Spitfire Mark V fit sa première apparition. Équipé avec un nouveau et plus puissant moteur Rolls-Royce, il fut un succès immédiat. Et aussitôt entré en service, l'équilibre entre le Spitfire et le BF-109 fut rétabli. Beaucoup d'as de la chasse obtinrent le succès sur le 109, et Helmut Lehn fut l'un d'entre eux. Helmut Lehn totalisa 113 victoires à bord de 109 contre les flottes de bombardiers alliés lourdement défendues et leurs escortes de chasse. Pour l'ARF, le Spitfire 5 rétablit l'équilibre, mais seulement à court terme. Plus tard cette même année, la Luftwaffe reprit l'avantage une fois de plus avec l'arrivée du FW-190 à moteur en étoile. Connu comme le Butcher Bird, Focke-Wulf 190 pouvait surpasser en montée comme en piqué n'importe quel autre chasseur. Et en combat tournoyant contre le Spitfire 5, il pouvait engager ou rompre le combat à volonté. Junior, entré avec son ailier, nous a dit « On a rencontré un nouvel avion allemand avec un moteur tout rond et des bouts d'ailes carrées et il nous a dominés. Il était meilleur que le Spitfire 5 dans tous les domaines. C'était quoi ?» Et les services de renseignement nous ont dit « Nous pensons que ça doit être des vieux chasseurs Curtis que les Américains ont vendus à la France et qu'ils ont dû récupérer. » Bien. Ah, si ces vieux Curtis sont aussi bons que ça, est-ce qu'on pourrait en avoir quelques-uns, s'il vous plaît? Bien sûr, ils ont compris quelques semaines plus tard que c'était en fait des Focke-Wulf 190.
Le ME-109 était largement supérieur. Mais comme la plupart des combats se déroulaient à basse altitude, le Focke-Wulf avait globalement l'avantage. L'avion était plus solide que le 109, mais il avait aussi certaines particularités. Par exemple, lors de certains vols, parce que le système de refroidissement marchait mieux à très grande vitesse, on avait souvent des problèmes de surchauffe moteur. Ceci pouvait engendrer des problèmes sur l'avion. Également, l'avion avait une sale habitude à embarquer d'un côté ou l'autre, et quelquefois, c'était presque impossible à maîtriser. La réponse anglaise au Focke-Wulf 190 fut extrêmement rapide. À la fin de l'année, Rolls-Royce avait produit un nouveau moteur à compresseur à deux étages, le Merlin 61. Quand il fut installé à bord du Spitfire Mark IX, il transforma radicalement la situation. Bien que similaire en apparence à son prédécesseur Mark V, le Mark IX devint le Spitfire définitif. Il représentait une amélioration décisive des versions précédentes, et avec l'augmentation impressionnante de ses performances, c'était plus qu'un défi lancé au 109F ou au Focke-Wulf 190. Le Spitfire 9 régna superbement sur le reste de la guerre. Il était meilleur que le 190, qu'il dominait dans tous les aspects du combat. Walter Kupinski obtint 197 victoires, dont 12 en une journée seulement pendant la bataille de Koursk. Il se souvient de ses premiers jours, juste avant de gagner le titre envié d'as de la chasse. La chose la plus importante pour un pilote, c'est de survivre. Et vous devez bien comprendre que les Américains et les Anglais renvoyaient leurs pilotes à la maison après leur tour d'opération. Alors, par comparaison à ma 100e mission, je n'avais alors que 2 victoires. Ça montre que j'étais peut-être un peu lent à comprendre, mais l'expérience acquise m'a bien montré comment tirer sur l'ennemi. Si vous survivez, vous avez une chance de devenir un as. Le général Steinhoff, qui était le commandant du groupe à ce moment-là, voulait se débarrasser de moi et me transférer dans les Stuka parce que je n'avais jamais mis un coup au but. Je n'ai même pas touché quoi que ce soit pendant mon entraînement à l'école de chasse. Ça montre que notre entraînement était mauvais et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par ma propre expérience et en fait, mon entraînement, je l'ai fait au combat. Plus tard, j'ai à mon tour entraîné des pilotes. En fait, je les emmenais avec moi et un de mes pilotes était Hartmann, qui fut mon ailier et qui devint plus tard un des meilleurs pilotes que nous ayons eus. Je n'arrêtais pas de lui dire « viens plus près » jusqu'à ce qu'il comprenne et devienne un grand as. L'expérience est une chose primordiale pour un pilote de chasse et quand vous êtes assez courageux pour venir près de votre cible, même encore plus près, attendre pour appuyer sur la détente, et bien là, vous réussissez. C'est la raison pour laquelle les jeunes pilotes inexpérimentés avaient des problèmes pour descendre des avions ennemis, mais bien sûr, vous ne deviez surtout pas oublier, en même temps, de vous protéger. Au début, nous emmenions les jeunes pilotes avec nous, normalement une paire, mais quelquefois 4 ou 8. Les jeunes devaient surveiller et également confirmer nos victoires, car nous avions besoin de leurs témoignages pour confirmer nos victoires aériennes. Il n'y avait pas qu'en combat tournoyant qu'un as pouvait remporter des victoires. À part affronter les chasseurs alliés, les pilotes allemands devaient aussi s'occuper des formations de bombardiers. Et ceci supposait des tactiques bien différentes, tant ces avions étaient difficiles à prendre par surprise. Le BF-109 fut largement employé également comme chasseur de nuit. Les chasseurs étaient guidés vers les bombardiers ennemis par les opérateurs du réseau, des stations d'interception et des installations radar. Thank you.
Le 1er septembre 1942, alors en mission d'escorte en Afrique, l'as de la chasse, Hans-Joachim Marseille, établit un record à bord d'un 109F lorsqu'il détruisit 18 chasseurs anglais en une seule journée. Au cours de ce même mois, il abattit un total de 62 avions et au moment de sa mort le 30 septembre, son score personnel s'établissait à 158 avions anglais. Et pourtant, ce chiffre paraît relativement faible si on le compare au score de Gerhard Barkhorn ou de Erich Hartmann, qui ont servi au sein de la JG-52, car ces deux hommes ont obtenu chacun plus de 300 victoires en combat. Ils furent les deux plus grands pilotes de chasse de cette guerre et les deux seuls à descendre plus de 300 appareils ennemis en combat. Hartmann était un spécialiste de la tactique et il devint l'as des as de toute l'histoire de l'aviation. Il suivait une méthode éprouvée par beaucoup d'as de la Première Guerre mondiale et préférait attaquer son adversaire seulement lorsque tous les éléments étaient en sa faveur. Il résumait d'ailleurs les avantages de la supériorité numérique avec une phrase « Beaucoup de lévriers et c'est la mort du lièvre ». Ça veut dire qu'un chien seul n'attrape jamais un lapin. Mais si plusieurs chiens sont derrière un lapin, ils finiront par l'avoir. L'expérience d'Hartmann comme pilote de chasse est l'aboutissement de 3 décennies de guerre aérienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il effectua plus de 1400 missions et la moitié d'entre elles se terminera par un combat. Il descendit au total 352 avions ennemis, tous sur le front Est, et tous aux commandes d'un Messerschmitt 109. Le secret de ses succès repose uniquement sur sa manière de prendre l'avantage. Il n'y avait pas de nuages, absolument aucun nuage. Mais je devais rester dans le soleil et commencer mon attaque comme ça. S'il y avait des nuages, j'essayais de partir de plus bas, mais j'avais le risque qu'il y ait des ennemis juste sous la couverture nuageuse. Alors j'essayais de me mettre exactement sous leurs avions et d'arriver vers eux plein gaz, et ils ne pouvaient pas me voir à cause de leurs ailes. Et là, je les descendais. L'étape suivante était de vous dégager pour garder la zone de combat sur le côté et de faire un autre virage pour vous couvrir. J'ai toujours dit à mes pilotes qu'il ne fallait tirer que lorsque l'adversaire remplissait totalement leur pare-brise. Ça économisait les munitions. En février 1942, les croiseurs Scharnhorst et Gneisenau s'échappèrent du port de Brest et franchirent la Manche pour atteindre Wilhelmshaven. Pas loin de 209F prirent part à l'opération majeure qui consistait à couvrir en permanence les deux navires. Les unités de la côte de la Manche, les JG1, 2 et 26, firent face aux attaques répétées de la RAF et revendiquèrent 50 avions ennemis pour la perte de seulement 4 d'entre eux. Pour les raids contre la côte sud de l'Angleterre, les JG 2 et 26 disposaient d'unités spécialisées et équipées de chasseurs bombardiers. En employant le 109F4, ils firent de nombreuses attaques surprises contre les navires, les gares, les usines et les installations pétrolières. Mais en dépit de sa grande vitesse et de ses bonnes performances en altitude, le 109F ne fut pas construit en suffisamment d'exemplaires. En mai 1942, il commençait à être remplacé par la variante suivante du 109, le Gustave. Équipé d'un Daimler-Benz DB605, la nouvelle machine avait de meilleures performances que le Friedrich et un armement plus puissant. Mais il était beaucoup plus lourd et moins manœuvrant. Il fut cependant construit en très grande quantité et durant les 3 années qui suivirent, forma l'essentiel de la chasse de la Luftwaffe.
À la fin de la guerre, 10 sous-versions principales apparurent, comprenant des versions chasseurs-bombardiers capables de tirer des roquettes, des versions biplaces d'entraînement, des versions de reconnaissance photo et une série de chasseurs équipés ou non de cockpit pressurisés. La plus rapide de ces versions a été le 109G10 qui atteignait 690 km/h à 7500 mètres. Le Gustav fut suivi des versions H et K, mais qui n'arrivèrent pas à le supplanter. Il était destiné à servir dans toutes les unités de chasse de la Luftwaffe sur tous les théâtres d'opération. Et tant que la demande croissait, la production annuelle du 109 augmentait rapidement. En 1942, approximativement 2500 exemplaires avaient été fabriqués. L'année suivante, ce chiffre fut porté à 6250. Mais le pic de production survint en 1944, lorsque les usines Messerschmitt combinées avec un grand nombre de sous-traitants produisirent un total incroyable, plus de 13 000 avions. Les premières livraisons du 109G allèrent à la JG2 sur les côtes de la Manche et furent utilisées comme intercepteurs à haute altitude, particulièrement contre les bombardiers alliés. En 1943, les raids de bombardement de jour des Américains augmentaient en intensité et de nombreuses unités de 109 furent retirées des autres théâtres d'opération pour faire face à la menace dirigée directement contre l'Allemagne. Les types de missions dépendaient de la situation. Si seulement quelques chasseurs ennemis approchaient, nous décollions à 4 avions. Mais s'ils étaient plus nombreux, on partait à 8 ou 12 par mission. L'automne 1943 fut l'époque des victoires les plus notables de la Luftwaffe face aux bombardiers américains. Le 1er août, 55 bombardiers lourds furent descendus lors d'un raid contre les installations pétrolières de Ploiești en Roumanie. Deux semaines plus tard, les Américains attaquèrent les centres industriels de Regensburg et de Schweinfurt. Ces deux cibles étaient largement au-delà du rayon d'action des chasseurs alliés et les bombardiers, dépourvus d'escorte, eurent à faire face à toute l'agressivité de la Luftwaffe pendant plusieurs heures. Soixante B-17 furent perdus lors du premier raid le 17 août et à peu près un mois plus tard, 60 autres bombardiers ne parvinrent pas à rentrer après un second raid. Les pilotes de 109 employaient une grande variété d'armes et de tactiques contre le flot presque ininterrompu des bombardiers anglais et américains. Quelques chasseurs pouvaient emporter et tirer des roquettes de 21 cm depuis le dessous de leurs ailes, tandis que d'autres, qui volaient au-dessus des bombardiers, larguaient des bombes de 250 kg sur les concentrations de bombardiers. Il y avait constamment des tentatives d'amélioration des chasseurs. Et c'était la même chose chez l'ennemi. Par exemple, face aux forteresses volantes de Boeing, nous devions trouver de nouvelles armes pour les combattre. C'est pourquoi nous avons même tenté de les combattre avec des roquettes suspendues aux ailes des chasseurs. Le Messerschmitt 109 était alors l'avion standard de la Luftwaffe et le seul chasseur que nous pouvions employer et avec lequel nous avons eu des succès parce qu'aucun autre appareil ne pouvait lui être comparé. Pour contrer les bombardements nocturnes de l'RAF, trois escadres de 109 optèrent pour une nouvelle tactique. Il s'agissait de faire coopérer les pilotes de chasse et les projecteurs de défense antiaérienne pour illuminer et détruire les bombardiers isolés. En dépit de l'obscurité, chaque avion pris dans le faisceau lumineux d'un projecteur devenait une proie facile. Ces unités commencèrent à opérer à l'été 43 et grâce à l'aide des radars Naxos, remportèrent de nombreux succès.
Après avoir pris le contrôle du ciel pendant la nuit, elles étendirent leurs opérations aux missions d'interception de jour par mauvais temps. J'ai été un temps basé près de Gutenberg avec la JG-304. J'étais un pilote des hautes altitudes. Nous avons déménagé vers l'ouest lorsque les événements d'Arnhem et de Nijmegen se sont déroulés. J'y ai participé personnellement et je me suis fait descendre vers Recklinghausen. Je dois dire que ces missions ont été les plus démoralisantes de toute ma carrière de pilote. Quand vous pilotez un avion lourdement blindé et que vous attaquez des avions de transport ou des planeurs, vous savez qu'à l'intérieur, il y a des hommes. C'est vraiment la pire des missions. Pendant ce temps, sur le front Est, Hitler avait lancé l'opération Citadel. Avec pour objectif d'anéantir les forces soviétiques dans la région vitale de Koursk, cette offensive majeure fut la bataille la plus décisive de tout le front russe. 2500 Panzer furent épaulés par 8 escadres de chasse équipées de 109 G et de Focke-Wulf 190. Elles parvinrent à détruire 450 avions soviétiques pendant 7 jours de combat presque continu. Il y a une chose à propos de la bataille de Koursk dont je me souviens particulièrement bien, car ce fut important pour moi. Ce fut ma première et unique collision en vol contre un LA-5 russe. Une fois, alors que la bataille durait depuis 8 jours, je volais avec mon ailier pour ce que nous appelions une mission de nettoyage. J'ai vu deux petits points à l'horizon, deux chasseurs. Je les ai vus contre un gros cumulus blanc. Je ne pouvais voir leur couleur, mais j'ai vu qu'ils avaient un moteur en étoile. Je savais que la Luftwaffe avait transféré un groupe de Focke-Wulf dans notre secteur la veille. Je n'en avais pas encore vu un seul en l'air, seulement sur des documents. Et autant que je m'en souvienne, il n'y en avait pas en Russie jusqu'alors. Je n'étais pas sûr que ce fût un Focke-Wulf ou non, donc je n'ai pas tiré. Je suis arrivé sur le côté de l'appareil et je suis monté à grande vitesse. J'ai regardé vers le bas et j'ai pu voir qu'il était vert sombre et l'étoile rouge. Les Russes. Bien sûr, je ne pouvais continuer comme ça, car ils m'auraient pris en chasse, donc j'ai effectué un large virage à droite et j'ai plongé sur eux, et lorsque je fus très près, j'ai tiré une rafale. Mais parce que j'arrivais à très grande vitesse, je n'ai pu éviter le LA-5 et nous nous sommes percutés. Je l'ai touché à droite avec mon hélice et j'ai coupé son aile. L'avion russe m'a touché à l'arrière avec son hélice, puis il s'est écrasé. Mon appareil est entré en vrille et c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai essayé de le récupérer, mais j'étais en train de tomber. J'ai pensé que c'était perdu, vu que mon moteur me secouait violemment. Mais j'ai réussi à négocier un atterrissage dans l'O-Ling. J'ai dû atterrir avec beaucoup de précautions, car mon avion partait en miettes. Alors que le sort tournait sur le front Est, les campagnes de bombardement anglaises et américaines plaçaient la Luftwaffe sous une pression de plus en plus forte. À partir de 1943, les pilotes de 109 eurent à faire face à l'un des chasseurs les plus puissants de la Seconde Guerre mondiale, le République P-47 Thunderbolt. Avec 8 mitrailleuses de 12-7, le P-47 possédait une puissance de feu sans pareil. Son moteur en étoile R 2800 Double Wasp lui donnait une vitesse très élevée,
il pouvait être équipé de réservoirs supplémentaires de carburant largable, ce qui lui permettait d'intervenir en profondeur dans les territoires allemands. Francis Gabreski pilotait un P-47 au sein du 56e Fighter Group et devint l'as des pilotes de chasse américains du front européen. Ses 28 victoires confirmées incluaient 10 Focke-Wulf 190 et 10 Messerschmitt 109. C'était un avion solide, construit comme un tank. Et on pouvait l'emmener à travers n'importe quoi. Il était vraiment plus qu'un défi pour le Focke-Wulf 190. Et il était vraiment plus qu'un défi pour le 109. Nous avions un système d'injection d'eau qui nous permettait de maintenir la pleine puissance de 3 à 5 minutes en fonction de la manière dont on l'utilisait. Ça nous donnait un formidable avantage, ce dont nous avions besoin face à la Luftwaffe. Alors que le Thunderbolt apportait une contribution d'importance à la campagne de bombardement diurne, son efficacité comme escorte lors des missions à longue distance était limitée par l'emport des réservoirs supplémentaires. Les pertes alliées chutèrent encore plus avec l'arrivée du premier vrai chasseur à long rayon d'action, le P-51 Mustang. Équipé d'un moteur Merlin 61, il était supérieur en vitesse au 109G à n'importe quelle altitude. À 28 000 pieds, il était plus rapide qu'un Focke-Wulf 190 de près de 100 km/h. Il piquait mieux que le Focke-Wulf 190 et le Messerschmitt 109, tournait plus court également et surclassait le 109 sans problème en vitesse pure. Et le plus important de tout, c'est qu'il pouvait faire ça même au-dessus de la capitale allemande, car le Mustang avait l'autonomie nécessaire pour aller jusqu'à Berlin et revenir. Ce nouveau chasseur est le P-47 équipé de plus en plus d'unités et rapidement l'Allemagne perdit ses pilotes de chasse plus vite qu'elle ne pouvait les remplacer. Nous combattions en sachant que nous avions perdu, mais nous faisions quand même de notre mieux tout en sachant que nous n'aurions pas la victoire finale. Moi-même, j'ai été descendu. J'étais pendu sous mon parachute et le ciel était plein de chasseurs ennemis. Je n'avais jamais vu autant d'avions à la fois et c'était la confirmation que la guerre était perdue. J'en étais sûr lorsque les bombardiers ont commencé à survoler, à bombarder nos villes. À partir de ce moment-là, la guerre était inévitablement perdue. Les pilotes disponibles étaient envoyés au combat avec une instruction réduite au strict minimum. Vers le milieu de 1944, l'amenuisement des réserves de carburant d'aviation avait atteint un niveau critique. Et dans les semaines qui suivirent le débarquement de Normandie, de nombreux aérodromes du nord-ouest de l'Europe tombèrent entre les mains des Alliés. En août, les Américains réussirent à percer le front de Normandie et commencèrent leur avance vers l'est. Pour réduire le temps de vol vers les zones de combat, les forces aériennes tactiques alliées construisaient de nouveaux aérodromes à une vitesse incroyable. Des plaques métalliques perforées étaient employées sur des terrains à peine défrichés et un système de pistes et de chemins de roulement pouvait être opérationnel en moins de 6 heures. Et comme les forces terrestres d'Hitler étaient repoussées de plus en plus, les bases de la Luftwaffe furent rapidement débordées. Les bases qui restaient sous le contrôle allemand étaient soumises à d'incessantes attaques, vague après vague, par les avions alliés. Les chasseurs allemands étaient définitivement surclassés et ceux qui survivaient aux attaques initiales étaient en danger aussi bien dans les airs qu'au sol. Alors qu'elle était en train de se désintégrer, la Luftwaffe monta sa dernière opération majeure, nom de code Bodenplatte. Le
Le 1er janvier 1945, 800 chasseurs décollèrent pour une attaque surprise contre les bases alliées en Hollande, Belgique et Luxembourg. À la fin de cette journée, ils avaient détruit pas loin de 200 appareils alliés au prix d'une centaine de Focke-Wulf et Messerschmitt. Mais ce fut un désastre puisque, alors que les appareils alliés étaient rapidement remplacés, la perte d'une centaine de pilotes ne fit qu'affaiblir un peu plus la Luftwaffe. Le 7 avril 1945, 120 Messerschmitt 109G d'une unité spéciale appelée le Sonderkommando Elbe prirent part à une importante mission suicide contre un raid de bombardiers alliés. Escortés par des jets ME-262 et pilotés par de jeunes volontaires, le seul objectif des Messerschmitt était de percuter les bombardiers américains. 8 B-17 furent touchés avant que l'escorte ne pût intervenir. Mais des 120 Messerschmitt, seulement 15 rentrèrent à leur base. Le 109 avait pris part à cette dernière grande mission de guerre. Une fois la Luftwaffe définitivement défaite, les aviations alliées avaient le contrôle total du ciel au-dessus de l'Allemagne. Les chasseurs anglais et américains pouvaient voler librement et étaient capables d'engager leurs cibles à volonté. Une par une, les armées allemandes finirent par se rendre. Le 7 mai, l'Allemagne capitulait et avec Göring lui-même prisonnier des alliés, la résistance de la Luftwaffe et la carrière d'un des plus importants chasseurs de l'histoire prenaient fin.